Nom de Zeus, Marty, les Legos font du cinéma. Retour vers le futur, le film de Robert Zemeckis est l'un des nombreux dioramas de l'exposition Ciné en briques. Pour son exposition de fin d'année, Versailles a fait appel à des associations. Pour les Legos, c'est un thème assez facile, dans le sens où c'est assez large. Il y a quand même beaucoup de dérivés de films, de licences qui sont axés cinéma. Donc on peut arriver à faire quelque chose de relativement simple. Il faut imaginer que le Star Wars, ça fait à peu près, on va dire, un an qu'il travaille dessus. Et ça fait quasiment 6 mois qu'il est installé en morceaux dans le salon d'un des adhérents. Ils sont 3 à le créer. Des films cultes pour les parents, des films jeunesse pour les enfants. Autour des dioramas, des photos de l'artiste Sam Sophie, de quoi ravir les visiteurs. J'aime bien celle d'Harry Potter et celle de Star Wars. C'est génial, on a vraiment envie d'avoir ces Lego et de les construire. Il y a plein de créativité. C'est très beau, j'aime beaucoup, ça me donne envie de construire des petits Lego et ça me donne plein d'idées de construction. Près de 800 000 pièces et petites briques pour plonger au cœur du 7e art, et parce que les maquettistes aiment bien jouer avec le public, à vous de trouver les intrus dans chaque diorama.